Jamen kor the meeting girl dikanya maya da fodoy ni dem hôpital de la katou da fodoy ni jël seni garab de la katou. Vieillesse du sida, bo xamul la ciel ñu wax la. Tu es jeune, tu aimerais bien en savoir plus sur le VIH, comment ça se passe pour les jeunes qui vivent avec ce virus. Tu aimerais savoir comment ils ou elles se débrouillent dans la vie, quels sont leurs projets, leurs rêves. Et surtout, tu te demandes si on peut vivre normalement avec cette maladie. Tu vas voir que oui. Écoute. Dans une famille, il n'est pas évident que tout le monde se raconte leurs secrets. Parce que chacun s'occupe de soi-même, chacun a ses propres préoccupations. Et de ce fait, personne n'a le temps d'écouter personne. Même si tu as des problèmes à l'école, dans la rue ou au travail, même si tu veux en parler, tu pourras pas parce que tout le monde en fait est occupé. Moi, récemment, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de poser calmement et parler avec un de mes oncles. C'était à propos de ma santé et d'après ses remarques, il m'a un jour appelé dans sa chambre pour qu'on parle. Je suis venu, il m'a dit, j'ai remarqué que pendant le soir, après le dîner, tu rentres automatiquement dans la chambre et c'est répété quotidiennement. Et en même temps, j'ai remarqué aussi, parce que je ne vais pas te le cacher, je t'ai espionné, que tu prenais des médicaments. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. J'ai été surpris. J'étais secoué, je ne savais pas ce que je... Je ne savais pas quoi dire, quoi. Et je lui ai annoncé de façon pas directe, mais il a compris, en fait. Je lui ai annoncé que j'avais le VIH. Je lui ai dit tout ce que je connais sur le VIH. Je lui ai dit aussi que j'ai des envies de partager avec vous, avec la famille. Mais je ne peux pas parce que tout le monde est occupé. Chacun a son propre problème et je ne veux pas mettre plus de problèmes sur le dos de la famille. Et il m'a tout de suite compris. Il m'a dit que je comprends. Franchement, je suis là avec toi, je travaille dans ce genre de milieu. Il est très religieux, il est très religieux. Je ne dirais pas qu'il est aussi scientifique que mes docteurs, mais il a un aperçu sur ce que j'ai. Donc du coup, à part ma mère, aujourd'hui je peux compter sur lui. Parce qu'on est proches et à cause de ça, ça a renforcé nos liens. Je peux parler librement avec lui. C'est un fardeau qui pesait lourd et que je suis arrivé à m'en débarrasser. Et après ce partage, je me suis beaucoup senti bien, quoi, parce que ça m'a soulagé énormément. C'est difficile de vivre comme ça, avec plein de secrets, sans pouvoir en parler. Ça m'a soulagé énormément et ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée et de bien voir si d'autres membres de ma famille peuvent aussi accepter de recevoir les informations que je suis prêt à les donner. Et ça m'encourage aussi
sur tout ce que je fais parce que je sais désormais que je suis plus seul. J'avance et je peux me partager sur n'importe quel sujet. Je peux en parler avec mon oncle, avec ma mère, mais également avec d'autres amis aussi. Révéler son infection au VIH à ses proches est un besoin fort, mais il est freiné par la peur de révéler l'existence de la maladie dans la famille. Se cacher de tout, tout le temps, est un lourd fardeau. Changeons le regard que nous portons sur les jeunes vivant avec le VIH. VIH du sida, bo xamul la ciel ñu wax la domi jangoro sida du sida. L'association Réseau Convergence des Jeunes est là pour soutenir les jeunes et briser l'isolement. Cette série de podcasts est proposée et réalisée par l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et le Réseau Africain pour l'Éducation et la Santé, l'ORAS.